je vais vous montrer un peu qu'est-ce que c'est Viva Piñata, tout simplement. Parce que ce jeu-là me tient énormément à cœur et je l'aime beaucoup ce jeu. Il est vraiment, vraiment génial. Donc allez, on y va, on montre. Ah, je vois que ma caméra n'est pas bien stable, en tout cas c'est un peu de travers. Oula, qu'est-ce que c'est ? Ah, ça y est. Ouais, ça va. Ça va, ça a l'air pas de trop gêner non plus. Ça va, c'est pas la mort. Comme je vois, ça va. Alors, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va s'amuser à jouer. Donc, jardin, jouer dans un jardin. Jouer pour du beurre. Ben oui, on va faire peut-être pour du beurre, non? On va recommencer une partie. Hop. Voilà. Yes. Je suis désolé, mais moi je vois pas mes touches, donc je sais pas me vérifier comme il dit. Voilà. Salut, salut! Bienvenue dans le mode pour du beurre. Tu vas pouvoir faire tout ce dont tu as envie dans un jardin spécial qui te donne accès à toutes les fonctionnalités du jeu. Le but de ce mode, c'est de s'amuser, alors ne te prive pas. Si tu as besoin d'aide au début, va au village rendre visite à Langston en appuyant sur la touche X. J'ai entendu dire qu'il avait d'excellents conseils pour les jardiniers en herbe. Alors, c'est ma caméra, se pète pas la gueule, ça ira bien. Comme vous voyez, c'est un jeu très très marrant, très très sympa. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça va donner en termes de qualité, hein, j'en sais rien du tout. Mais en bref, j'explique que ce jeu-là, je l'aime beaucoup. Je l'apprécie énormément. Après, oui, je sais, on peut enregistrer du gameplay avec la Xbox One. Mais j'ai la flemme de le faire. Et puis, je trouve ça marrant de faire ça comme ça, je sais pas pourquoi. C'est plus drôle parce que vous enregistrez en même temps le son, tout est beaucoup plus simplifié. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ben ici, je sais pas, hein, je vais faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Ce qu'on peut faire par exemple, c'est ça, je sais pas. Yes. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, c'est pas là que je voulais le mettre, mais c'est pas grave. On va tester qu'on va faire une sorte de parterre bizarre, juste pour le lol. Yes. Et en même temps, il faut prendre en compte que ma caméra elle fait que du 25 fps, donc techniquement vous avez pas une fluidité, enfin elle est correcte, mais c'est pas du 30 fps, c'est pas un regardable en fait, c'est ça que je veux dire. Mais ça va, c'est pas la mort. Si on fait avec ce qu'on a, hein, j'ai pas la thune pour me payer une caméra qui fait du 60. C'est déjà bien qu'elle fait du 1080, 25 fps, c'est déjà largement suffisant. Bon, aussi on fait du n'importe quoi, hein, je préviens déjà. Voilà. Hop.
J'ai un piñata qui vient. Combien piñata? Bon, après ceux-là sont pas difficiles non plus, mais... Yes. Oula, beaucoup de monde qui vient. Je vous montre un peu à quoi ressemble Viva Pignata. En bref, hein, c'est pas plus compliqué que Medicorien. Et c'est parce que je trouve cette idée super intéressante de vous montrer ça avec un vidéoprojecteur. C'est assez drôle. Bon après oui, le vidéoprojecteur ne fait que du 480p, donc c'est vraiment... Mais c'est le côté... Oui. D'accord, bon bah, j'ai récupéré un crabe, pourquoi pas. Sont mignons hein, les piñata. Et un peu comique. Donc c'est Viva Piñata Troop Paradise, un truc comme ça. Si je me trompe pas. Après c'est pas pratique à... Je sais même pas d'où vient ce truc. Enfin voilà, c'est pas pratique à dire, mais voilà. C'est un peu du Viva Piñata quoi. Voilà, donc ça c'est bien. Hop. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Tiens, il va faire nuit. Bon bah RIP, hein, il fait nuit. Après, je vous avoue, je vais pas vous mentir, c'est que en fait, je joue vraiment sur ma Xbox, avec ma Xbox One. En fait, je joue sur comme ça. En fait, je joue en 480p. Et dire waouh, c'est pas ouf comme qualité pour du de la Xbox One. Ben oui, mais moi, ça me suffit. Je suis content. C'est peut-être du 480p, mais comme vous voyez, la qualité est raisonnable. Hein, ça va, c'est jouable. Il n'y a pas trop de soucis. Et ça me permet de m'amuser, de jouer, avoir un grand écran pour la Xbox One. Et c'est vraiment génial. C'est vraiment fun. Et c'est pour ça, parce que j'ai pas de TV en fait, moi. J'ai pas de TV HD. Donc du coup, j'utilise ça. Donc je vous montre aussi en même temps un peu ma façon, comment moi je joue à la Xbox One. Et voilà, comme ça vous voyez un peu comment je m'y prends. C'est une façon de faire, quoi. Il est comique, lui. Il fait rire. Alors... Mon corse magnon, un petit papillon de noix. Ma corse est trop magnon. Oncle le mignon, oncle le trop chou. Ah oui, viens. Viens toi. Viens petit mignon. Ma viens, ma viens. Ah oui, viens. Trop choupi. Alors on a d'autres.
On a visité le désert. On a visité ça aussi. Donc ici on va essayer de voir si on ne sait pas récupérer ce petit truc, cette petite bête que j'aime bien. J'aime bien ce piñata là. Il est trop choupi. Donc on va essayer de voir si on ne sait pas le récupérer. Bah voilà, on l'a récupéré. Donc c'est parfait. Voilà, bah c'est fait. Tant mieux. Ne pas oublier de se vérifier. Garder parce que si on ne se regarde pas, c'est perdu. Donc ça c'est fait. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier tout simplement dans un autre monde. Alors attendez. C'est là que je vais aller. Vous disiez oui. Et du coup ça va nous amener dans un endroit froid. J'aimerais bien attraper. Ah oui, celui-là il est comique, il me fait rire. Là, il est tellement rigolo et buggy à la fois. C'est trop un bête pour moi ça. Regardez comme il est content et planté à la fois. Voilà. Trop cool. Voilà, donc ici je voudrais récupérer un renard, un pet style, mais je sais pas comment les récupérer moi-même. Ils sont apparemment rares. Bon, en tout cas c'est l'impression que ça me donne. Bon bah apparemment c'est mort. Pas grave. Ça y est plus. Je ne sais pas ce qu'il nous résident, mais je présume que c'est. On a lui. Bon, que t'es mignon. Que t'es beau. C'est ça, franchement. Vous comprenez un peu pourquoi j'adore ce jeu. Ils sont trop mignons, regardez-moi, ils sont trop choupis. Nouveau résident. Oh, cool, on a un nouveau raton laveur. Oh, cool. Deux ratons laveurs. Chouette. Pourquoi il y a des bonbons à chaque fois? C'est fun! Très fun! Ah, ils sont trop mignons! C'est vraiment génial, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur une autre partie pour que je vous montre un peu où j'en suis avec mes autres parties pour pas traîner trop, pour pas que ça soit trop long non plus. Donc là, on est en mode sandbox et mode. Regardez les sous, regardez 999 000. C'est vraiment là où vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est illimité, c'est fun, c'est le fun absolu quoi. Parce que vous pouvez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sauvegarder. Voilà, là c'est en train de sauvegarder et enregistrer sur la console. Et ce qu'on va faire après, voilà, dès que ça a disparu, c'est que c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter. Enfin, si je trouve où il faut où on quitte, parce que je sais plus. Comment on quitte. Ah, c'est ça. Bah ça se joue tout seul en fin de compte. Donc j'aurais pu quitter comme ça aurait été bon. Donc voilà. J'ai pas traîné parce que j'ai presque plus de sauvegarde. Donc jardin normal. Non, pas nouveau. Hop. Oui. Voilà.
Donc avant de nous quitter, je vais juste montrer ce que moi j'ai. Parce que j'ai pas beaucoup de batterie, donc je peux pas vous faire ça éternellement. Je vais vous montrer ce que moi j'ai comme bête. Voilà mes bébés. Regardez comme ils sont beaux. Beaux gosses, hein? J'adore ces renards. Ils sont trop beaux. Mais vraiment quoi. Quoi? Ah, il y a une bagarre. Bon ben, RIP, nous avons perdu un animal. Moi, tant que je perds pas mes renards, là, je m'en fous des autres animaux. C'est juste les renards, les prestailles, eux, que je veux pas perdre, que j'aime beaucoup et que je veux pas vraiment qu'ils leur aient quelque chose. Je serais ultra dégoûté. Mais sinon, les autres bêtes, c'est moins grave, mais on va aller voir. Regardez ce qui n'est... Pour partir, voilà ce qui nous reste. Donc, on va se quitter là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et voilà, là on a la fin parfaite. Oui, parce qu'en fait j'ai deux sortes de prestailles. J'ai deux bleus de l'Antarctique. Vous les trouvez dans les endroits froids. Et ceux-là, on les trouve ici. Et du coup, voilà, on se termine là. Ils sont trop mignons et buggés à la fois, c'est ce qu'on aime. Donc je vous dis à bientôt et merci de m'avoir suivi, d'avoir suivi la vidéo, et j'espère que cette vidéo vous a plu, cette petite vidéo nostalgie de Viva Piñata Pocket Trouble Paradise, donc bordel sous problème de, enfin peu importe. Je vous dis à bientôt, c'était Death Nat. Ciao.